Bonjour mes petits, j'espère que vous allez bien, moi très bien. Je viens ouvrir un nouveau vlog et je vous souhaite une bonne année. C'est la deuxième vidéo que je tourne aujourd'hui, enfin ici c'est un vlog, j'ai tourné une vidéo ce matin, mais je sais pas quelle sera en première. Du coup je vous souhaite une bonne année, une bonne santé, que tout aille pour le mieux pour vous dans vos lectures et dans vos projets autres. Je viens ouvrir ce vlog, on est lundi 9 janvier. Je vous ai pas pris la première semaine de janvier parce que j'ai fait une pause et j'étais malade. Je vais un peu mieux, je tousse encore beaucoup. Vous risquez de m'entendre tousser. Mais j'ai plein de choses à vous dire. Je viens de recevoir un petit colis, du coup on va s'ouvrir ça avec vous. C'est pour ça que je suis levée depuis 7 heures. Bon, plus ou moins 7 heures. Et je me dis, il faut que je fasse la vidéo, que je fasse la vidéo, que je fasse la vidéo, que je fasse la vidéo. Et je le fais pas. Enfin, le vlog, en ce qui me concerne. Mais, je ne l'ai pas ouvert. Je vais déposer ça là, comme ça, j'aurai. Du coup, dans les... dans ce colis, il y a... Oui, tout petit. Oui, celui-ci, il est marqué 1. C'est Sombre Os... Ospaisible Kepi Kepek Wall de Arizona Book. J'aime beaucoup. Voilà. Je vais vous lire la quatrième de couverture, j'aurai plus facile. Un petit ami parfait. Apparemment génial. Au travail auquel adore Megan. Midi. A réussi sa vie. Au moins, c'est ce qu'elle croit. Son petit ami parfait n'est pas si parfaite et pour couronner le tout agressé. Le silence et le présent. On va tousser, ça va plus vite. Silence et le président d'un club respect froid impossible d'aimer son club d'une main de fer. Il doit gérer le sombre histoire de trafic de drogue alors qu'il n'a pas le temps de faire du babysitting avec la femme ou peu trop grande gueule que sa grand-mère a pris sous son aile. Excusez-moi, mais je vous expliquerai après, mais j'ai des petits problèmes, je vous expliquerai. Apparemment, rien ne relie le trafic de drogue agressif à Megan. En apparence. C'est Megan, mais je ne sais pas comment ça se prononce. Il faudrait que je le montre. Madison. Apparemment. Et si les deux affaires étaient liées? Et si protéger Maga... Son, méga son, je sais pas ce que ça va, méga, et la clé pour protéger le club. Et si la vie de Silan n'était pas aussi compliquée qu'il croyait, et s'il manquerait quelque chose ou quelqu'un, une chose est sûre, leur vie ne sera plus jamais la même. Prolongée dans les boutons de Bikers Way. Accrochez-vous. Ouh, il est petit par contre. Ouais, il fait 200 pages. Il me tente beaucoup. Voilà, et le deuxième, c'est un que je voulais depuis un moment, parce que je l'entends parler de partout. Lickfoot, je sais pas comment ça se prononce, de Damage. C'est aux éditions M Bookmark. Voilà, il a l'air gros lui, par contre, rapport à l'autre. Ah oui, 467 avec les remerciements. Voilà, mais j'entends beaucoup de bien, du coup j'ai envie de me le faire. Mais pour le moment, c'est vrai que je suis en défi avec Mariette, vous ne savez pas encore, sur la chaîne. Je ne sais pas si vous l'aurez avant ou pas. Je pense pas, parce que je ne sais pas comment elle va venir. On avait dit qu'on ferait la vidéo avant, mais on a eu des petits soucis, elle n'a pas su venir. Du coup, vous n'avez pas encore la vidéo avec tous les livres qu'on a choisis dans nos catégories. Mais voilà. Bon, je vais vous lire la quatrième de couve de celui-là et je vous explique tout ça après.
Alors, il n'avait qu'une seule règle, ne jamais sortir avec son garde du corps. Pas compliqué, ce n'est pas en... Ce n'était pas, et s'il y a quand même brisé. Iris de une et d'une famille le plus emblématique du pays. Maximos, voilà, est une force de la nature. Indépendable option fondée et envoyée la tête sur les épaules. Ce militaire gère de la persistance de sa vie peu conventionnellement et son statut de célébrité. Lorsqu'on lui offre un nouveau garde du corps, il est conformé au pire et scénario. Se retrouver coincé avec un homme tatoué forme de MMA, diplômé de Yale, connu pour les fréquentes aux liens des équipes de sécurité et qui semble être fantasmé sexuel. Waikoukan, ce n'est qu'une seule mission, protéger Maxime Mofo, Mala Fillery, et envoyer en air de son activité qui dépasse loin ses limites de sa fonction et de sa réalité. Domaine, la licence n'a alors de sentiment de se mêler, protéger cette célébrité aussi sexy que têtu devenir le plus en plus compliqué. Une série Breakfast et une saga avec une ligne temporelle continue qui suit une famille riche, célèbre et une personne qui ne protège d'un mané clic lic. US peut-être lui apprécier sans avoir lu aucun autre roman de Christine Braque. Voilà, je me tente beaucoup. Voilà pour les deux petites sections du jour, une petite et une grosse. Voilà, contente. Je crois que je rentre tout ça après. Je vais vous parler de ça avant de vous parler d'autre chose. En fait, la semaine passée, j'ai été malade. En fait, j'ai un gros rhume. J'ai le nez encombré, la toux, mal à la gorge. Voilà, vous entendez parfois, je parle un peu la gorge. Voilà. Sauf que j'ai pas que ça, c'est ça mon problème. Et c'est un autre truc. C'est pour ça que des fois, je fais des petits renvois. Vous avez vu, je vais. Mais en fait, j'ai un problème d'estomac pour l'instant. Je prends des médicaments, je dois traiter ça. En fait, si vous voulez, j'ai un petit peu. C'est pour ça qu'on dit on n'abuse pas. Faut pas faire comme moi. J'ai profité de Nouvel An. J'ai un peu trop bu d'alcool. J'aurais dû faire attention. J'ai voulu profiter. J'en bois pas souvent. Et là, j'étais bien. J'étais avec des amis. On s'était bien amusé. Du coup, j'ai profité et j'ai bu trop d'alcool et du coup, j'ai mon estomac qui fait un petit rejet, on va dire. C'est pas un rejet, mais il est malade. Mon estomac me dit que j'ai trop abusé pendant les fêtes. Du coup, j'ai un gros problème d'estomac. Là, j'ai mal, mais c'est compliqué. Mais pour le moment, j'en ai encore pour un petit temps de faire attention à ce que je mange, à ce que je bois. J'ai mes médicaments à prendre trois fois par jour, à 20 minutes avant de manger, pour que ça l'aide à digérer en fait. Voilà, du coup, ce médicament, je vais devoir l'avoir peut-être à vie. Et ça, c'est autre chose. Enfin, soit, bon, c'est pas désagréable, c'est un médicament à avaler, mais c'est tout juste qu'il faut le penser de le prendre. Et j'ai mangé et j'ai oublié de le prendre. Parce qu'en fait, moi, je mange quand j'ai faim en fait. Mais si je dois prendre mon médicament et remanger. Et parfois j'ai plus faim après, c'est ça mon problème, mais j'ai pas pris mon médicament, mais je reprendrai tantôt avant de manger au soir. Le soir est plus important pour moi, parce que le soir je digère beaucoup plus difficile pour moi. Et comme monsieur travaille, je suis obligée de manger le repas chaud le soir et une tartine à midi. Du coup, le midi ça va, je contrôle encore, c'est pas douloureux à point. Voilà, c'est pas méchant, mais il faut que je fasse attention dans les prochaines semaines,
Voilà, mais ça va aller. Du coup, si vous voyez de temps en temps que je fais. Je suis désolée, je suis obligée. C'est mon estomac qui remet de l'acide. Voilà, et des fois j'ai des brûlures aussi. Voilà. Sur ce, on va changer de sujet parce que c'est pas ça sur cette chaîne quand même. J'ai quand même profité d'être malade et de lire. J'ai lu le livre que j'avais trop envie de lire, Fabulous Vegas de Natasha Piroge. Je sais pas comment ça se prononce. Je me trompe. Je me suis désolée si je le dis mal. Mais voilà, j'aime beaucoup cette couverture. J'ai adoré cette. Allez, c'est une pépite. Et je suis impatiente de lire le tome 2 qui est là. Mais comme je vous ai dit, je suis en défi avec Mariette. C'était un livre qui est dans le défi de Mariette. J'aurais dû prendre mon carnet pour vous dire dans quelle catégorie il est. Vous regarderez là. Je vais peut-être vous dire quand même. Je vais chercher mon carnet. Mais voilà. Voilà mon petit carnet. Il est trop beau. Et ça, c'est aussi de Natacha Piruli. Elle avait mis un sticker. Quand j'avais fait la dédicace ou je sais plus quoi. Oh, j'ai un autre livre à vous montrer. Je suis bête. J'ai oublié tout. C'est pas grave. Du coup, c'est le livre. Enfin, c'est le carnet de cette année. Du coup, voilà, on a notre petite liste. Et du coup, celui-ci, il était dans le. Enfin, Mariette m'a donné des petites catégories et j'ai inséré les livres dedans. Et ce livre était dans un lit. Un livre acheté lors du salon du livre. J'avais été au salon du livre à Mons, si vous vous rappelez. J'avais fait la vidéo de tous les livres, tous mes achats. Et celui-là fait partie. Et du coup, j'ai lu un livre de cette. Un ou deux, je ne sais plus. De ce achat de Mons. Il y en a deux, je crois, deux ou trois dedans. Enfin, soit. Il faisait partie dans cette catégorie. Et je l'ai mis parce que j'avais trop, 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 trop envie de le lire. Du coup, je vais vous parler un petit peu de l'intrigue. On va suivre Dame. Moi, je l'appelle par son nom de jeu. Il s'appelle L'As de cœur. Je vais aller par là parce que on le dit pas souvent son nom. Voilà. Mais moi, je vais l'appeler L'As de cœur parce qu'il m'a séduit à 100%. Je vous le dis. Il m'a séduit. Et on va suivre Nour. Nour, Nour. On va suivre l'as de cœur qui s'inscrit, enfin qui fait des pokers en ligne. Et j'essaye de voir pour pas vous. Du l'as de cœur, ce fois contraire au jour de venir lorsqu'il tournoie. Il va aller dans un tournoi à Las Vegas. Enfin, pour rembourser ses dettes, parce que je peux pas trop vous dire parce que je sais pas si on, je sais plus si on le dit au début ou à la fin. Je ne sais plus. Pour mettre à l'abri de sa famille, voilà, c'est ce qu'ils disent dans le résumé. Je ne peux pas aller trop loin. Il y a un petit truc avec sa famille, c'est ça que il est touchant. Il est, comment pour dire, sans être, il est dur de le voir, mais il est tendre à l'intérieur. C'est un aspect assez voilà, moi j'ai beaucoup aimé parce que quand on commence à parler, enfin, de lire cet roman, il a l'air assez mais dur et je sais pas comment expliquer. Et quand il parle de sa famille, c'est un petit tout ours, tout doux, tout. Oh, t'as envie de le. Et il va aller dans le. Las Vegas, le propre. Pour jouer le poker et il va rencontrer la jeune fille propriétaire du casino organise la compétition entre les attirants. Ils vont jouer en plusieurs et il va avoir une petite attirance tous les deux et voilà, je peux pas trop vous en dire parce que j'ai vraiment envie que vous le découvriez. N'hésitez pas à le découvrir. Il vaut 15 euros. Je vais essayer de me le mettre dans la barre d'infos si j'oublie pas. Mais c'était un trop chouette livre. Mais j'ai adoré. C'est une pépite. Foncez. Et je vous montre en plus. J'ai le petit marque-page. Et en plus de ça, il est dédicacé au salon à Mons. Voilà. J'ai même pas Noël l'avait pas mis la date. Voilà pour ça.
J'en ai encore un à vous montrer qu'il faut que j'aille chercher. C'est pas grave, on va parler de ma lecture en cours. J'ai commencé Adopted Love, tome 1 de Agenia Alexandre. Celui-là, il fait partie de la catégorie un livre choisi par une autre personne. C'est Mariette qui me l'a choisi, je crois que c'est sur Livre Addict ou Booknote, un des deux, je ne sais plus, qu'elle a choisi. J'avance bien, j'ai bien avancé, je suis à 238 pages, chapitre 20 de ce bouquin. Et pour le moment, j'aime beaucoup. On va suivre, je ne sais plus son nom, enfin on va suivre ce jeune homme qui un peu... il fait plein de bêtises et je suppose que son assistante ou je sais plus quoi va le mettre dans une famille d'accueil et il a 17 ans et cette famille d'accueil a d'autres enfants bien sûr, si je ne me trompe pas, une fille et deux plus petits et ouais parce qu'ils se battent toujours ces deux-là. Et lui, il est un peu le mec où il, quand il arrive dans le quartier, il se sent pas à l'aise parce qu'en fait, c'est un gars, comme vous pouvez le voir, tatoué, un gars de la rue, il va au magasin, sécurité. Où la police sont toujours à son cul, il peut pas faire un pas sans que la sécurité le suive parce qu'il croit qu'il vole, et en fait non, et il va avoir plein de petites choses, j'aime beaucoup, il y a plein de choses, je pensais pas pour le moment, j'aime bien, parfois c'est un peu dur parce que il parle de la famille, c'est sa dernière chance aussi dans la famille d'accueil, Eleana, la fille qui a plus ou moins le même âge que lui. Et la chambre est juste à côté. Et elle est un peu très très... Et lui ne parle pas en fait. Lui ne parle pas. Du coup, il faut que oui de la tête. Voilà. Et c'est ça le truc que j'aime beaucoup. Parce que lui ne parle pas. Mais on a quand même son point de vue écrit. C'est bien, je trouve que c'est pas mal, même si ça, c'est bien écrit, moi j'aime beaucoup l'histoire, maintenant c'est vrai que c'est pas facile, c'est un des premiers, ou c'est peut-être pas le premier, mais dans cet univers enfin il parle mais pas quand il connaît pas si j'ai bien compris, enfin, on verra bien, j'ai pas la suite, je vais essayer de me procurer la suite, parce que j'ai le tome 1, mais pas la suite, j'ai lu ça. Voilà, et c'était l'édition à la saga avec les illustrations dedans, qui en a des belles, enfin j'en ai vu deux jusque maintenant, j'espère qu'il n'y a pas que ça, voilà, lui et la jeune fille avec son papy dans le postif, en fait il a fait un dessin porno, assez visuel, parce qu'en fait la fille lui l'attire un peu beaucoup, comme il dit si bien, il y a son asticot qui monte à chaque fois que il la voit, mais il peut pas parce que le papa, parce qu'il s'appelle papa maman, hein, je vous dis, il s'appelle pas de, ne lui dit ne touche pas à ma fille, aucun, voilà, ils veulent pas, mais je suis pas sûre que ça va respecter les lois, mais je vous en tiendrai plus au courant, j'ai envie d'aller lire. Il est 1h20 là. Je vais vite finir mon truc là. Je suis à Disney en fait. Je vais faire ma grotte pour ramasser mes pierres. Et après je pense à aller lire du scutant tout. Voilà. Parce qu'après il faut que je fasse à manger. J'ai déjà bien travaillé à la maison. Je reviens des courses. Voilà. Et j'ai mangé. J'ai fait une machine qu'il faut que je mette sécher, que je mette la deuxième directement en route. Il faudrait bien que je change mon lit aussi, mais je pense que je le ferai plus tard. Voilà. Et voilà, je pense que 20 minutes de...
crois que je vous l'ai assez vaudé. Du coup, voilà pour les lectures finies et commencées. Celui-là, il faut que j'achète la suite. Voilà. Et avant de vous quitter, il faut que j'aille chercher le livre qu'il faut que je vous parle. Me revoilà. Samedi, j'ai été à une dédicace près de chez moi. En plus, c'est top. Je vais vous montrer ça. En fait, j'avais hésité parce que comme j'étais pas vraiment bien, j'étais vraiment mal vendredi. C'était l'horreur. L'horreur vendredi, j'ai fait que... Enfin, depuis que je suis tombée malade, mardi, mercredi. Enfin, soit, j'ai fait que dormir toute la semaine passée. J'ai pas beaucoup, j'ai lu beaucoup et j'ai dormi beaucoup. J'ai fait que ça en fait, lire et dormir. Et il y avait une dédicace près de chez moi à Cultura. Enfin, près de chez moi, j'ai à 20 minutes de chez moi, mais voilà. Et j'hésitais à aller, mais je me suis dit que j'allais tenter d'aller quand même. Samedi matin, ça allait un peu mieux. C'est vrai qu'au soir, j'ai eu du mal. Mais j'ai tenté, j'ai été. Et je suis contente d'avoir été jusque là. Du coup, je vous présente le livre. Je l'avais déjà vu parce que je l'avais acheté avant. Voilà, lequel que j'ai été pour faire dédicacer. C'est Michi. Je sais pas, j'ai pas vous... Michi. Le nom est juste là. J'ai pas envie de vous dire de bêtises. C'est Dark Domination de chez Addictive. Il est trop beau. J'ai envie de le lire là maintenant, mais je ne peux pas pour le moment. Du coup, je vous montre parce que quand même, ça vaut le coup. Hop. J'ai eu un petit marque-page dédicacé ici. Bonne lecture. Son nom. Voilà. Il est marqué un coup de cœur. Ce roman vous fera vivre un moment intense et inoubliable, addictif. Voilà. Puis j'ai eu un petit flyer. Et derrière, il y a un petit texte. Je vais vous le lire. Ça vous donnera peut-être envie de le lire. Et l'autrice est très sympa. Je ne sais pas. Je ne suis pas mon père et tu n'es pas ma mère. Mais deux, ce n'est pas une erreur, c'est une évidence, une nécessité. Notre destin, on ne peut pas vivre l'un sans l'autre. Et si tu sais, l'amour, ce n'est pas le bonheur. On souffre aussi parfois, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut abandonner. Voilà. C'est un peu une dark, comme elle nous a dit, une dark légère, léger. Et le petit truc, je sais pas si vous en avez, j'avais dit le quatrième de couverture, mais c'est pas grave, je vais lire juste la petite phrase d'accroche, parce que c'est vrai que, voilà. Une demande, une famille lourde de secrets, une proposition dangereuse, charitatique. Oh, on voit ma gorge, va vraiment mal. Voilà, vous voyez, quand je parle beaucoup, je perds ma voix. C'est pour ça que, du coup, n'hésitez pas, je le remonte. Il est trop beau. J'ai une petite dédicace. Voilà, en plus, elle m'a fait un petit cochon avec un petit renard. Et là, je ne sais pas si vous voyez, elle a trouvé la page. Elle a fait un petit flocon dans la page. Voilà. Et un autre petit renard juste en bas de page. Voilà. Voilà, j'ai mon petite dédicace. Il me donne très envie. Avec ça, oh ben je vous ai dit, j'ai eu le marque-page, la petite plus flyers. On a eu le badge qui ne veut pas rester avec moi. Le petit badge. Voilà. Et alors, le merveille, j'ai eu le bic aussi qui est du même livre. On voit pas trop bien, mais... voilà, je ferai une photo et je vous mettrai ça sur Insta. Maintenant qu'il est passé ici, je vais pouvoir faire ça, faire une petite photo et montrer. Je vous essayerai de vous mettre la petite photo de l'autrice et moi. Quand j'ai fait la dédicace, j'ai demandé une petite photo. Voilà, et il me donne trop envie de le lire. Vous savez pas comment, à un point. Je pense que quand je pourrai, je vais me le faire. Voilà, mon papa va le lire avant moi, parce que j'étais avec mon papa.
Enfin, mon chéri est venu avec moi, mais mon papa nous a rejoints et il va le lire avant moi et ça m'ennuie. Parce que d'habitude, c'est moi qui lis avant lui. Du coup, voilà. Mais voilà, je vais m'y atteler, mais c'est parce qu'il est assez gros et que je suis dans la pale avec Mariette. 523 pages. Voilà. Mais voilà tout ce que j'ai à vous dire. C'est déjà bien. Un peu beaucoup, non? On n'exagère pas un peu là. Voilà, sur ce, je vais vous laisser et je vous reprendrai demain. Et je vous tiens au courant pour la suite de ce bouquin. Voilà. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain pour la suite. Bonjour, mon petit du ciel, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans ce vlog. J'ai une tête de fatiguée, vous inquiétez pas, j'ai pas beaucoup dormi. Enfin, j'ai dormi plus sur le matin que la nuit. Voilà, on est le 11 janvier et je reviens dans ce vlog pour parler déjà d'une réception et après de ma lecture en cours. Voilà, pas loin d'être terminée, je suis contente, j'avance bien. Du coup, on va commencer par le. D'un coup, c'est bien ça. C'est moi qui les a commandés, du coup je sais c'est quoi. Je me suis pris la belle, la bête. J'avais le tome 2, je savais pas que c'était un tome 2. Du coup voilà, je me suis pris le tome 1. Il me tente. Maintenant je sais plus de. C'est un. Publication. C'est Grès et Aigle. 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 Je sais pas comment ça se prononce, je vous montre. Enfin, je vais même pas demander si vous allez bien aujourd'hui. Moi, ça peut aller. Vous entendez encore, je suis encore enrhumée. Voilà, mais je vais vous lire quand même la quatrième de couverture. Et ça m'embête parce que j'ai l'impression que vous êtes fort bas. Du coup, voilà. Vous êtes fort bas. Je vais regarder pour vous monter un petit peu d'un cran. Est-ce que si je mets ça, hop, ça pourrait pas faire mieux. Hop. Oui, je pense que c'est. Ah non, ça n'a pas l'air d'être mieux. Bon, enfin, soit, c'est pas ça que je vous vais montrer d'abord. Le tome 1. Faudra que je sais pas si je vous ai montré le tome 2. Je pense que oui, mais je suis pas sûre. Enfin, soit, c'est assez gros. Et du coup. Autrefois, je croyais à un conte de fées. C'est une réécriture, hein. Du coup, ça va pas être la même chose que la vraie histoire. Hein. Enfin, je suppose. Parce que je ne sais plus quand j'ai lu la quatrième de couverture. Mais ensuite, il m'a appris. Il m'a appris que la vie n'était pas n'était pas un conte de fées. Il est ainsi. Il est un ami brisé. Vous entendez, je suis encore bien. Une créature sombre et sauvage, sa beauté violente et ses mots cruels. Je reviens, il faut que je me voilà après une grosse canne de tout. Je suis désolée, mais voilà. Je ne sais plus où j'étais du coup. Oh, mais je ne sais pas où j'étais. Fais chier. Attendez, on va reprendre là. Je suis désolée, mais peut-être que vous l'avez déjà entendu. La créature sombre et sauvage, sa beauté est violente et ses mots cruels. Son cœur et ses paysages lointains, des noms dans l'ombre. Rien ne peut pousser. Il affirme qu'il ne pourra jamais vraiment s'attacher à moi. Il me le prouve chaque jour. Il a détruit ma vie. Il m'a torturé. Et pire encore. J'aime pas ça. J'aime pas la torture. Il m'a exécuté et supplié pour demander son affection dans cette prison
à la lumière du jour ne perd pas. Il m'a pris que par haine naissant de l'obscurité. Mais ensuite, il m'a appris que parfois l'amour aussi y trouve racine. J'aime beaucoup la couverture. Voilà. Je suis désolée, mais ça allait beaucoup mieux, mais là, j'attrape une canne de cou. J'aime. Il n'y a rien de spécial, mais c'est écrit quand même assez grand. Du coup, je pense que ça peut se lire vite. Je sais pas combien de pages j'ai fait. 397. 397. Pas loin des 400, quoi. Et le deuxième, c'est de Laetitia de Zoul. Zoul? C'est un tome 1. Une heure de plus. Une heure de plus. J'aime beaucoup la couverture aussi. Une heure de plus jusqu'à toi, sans demi-mesure. Sans demi-mesure. Voilà. J'aime beaucoup la couverture. Et je pense que celui-ci, c'est un auto-édité. Je pense. Moi, c'est pour ça que j'aime bien les livres auto-édités, parce qu'il y a des belles pipettes dans ces livres. Je regardais, mais il n'y a rien de spécial au chapitre. C'est écrit assez gros quand même. Ça, j'aime bien. C'est écrit comme j'aime bien. Je vous parle de la quatrième couverture. Ça va aller. Elia est persuadée d'être heureuse dans la vie qu'elle a choisie. Étudiante, le jour, elle cumule les relations sans lendemain. La nuit. 7 ans plus tôt, elle s'est promis de ne plus jamais tomber amoureuse jusqu'au présent. Elle a toujours réussi à surmonter son choix. Pourtant, quand Eléa et Milan se rencontrent, leur attirance est naturelle et immédiate. La jeune femme joue son jeu de la séduction, mais observe de son désir lui échappant. Milan ne peut pas se fin sa fin fin fait sans je sens que ça vient en fait satisfait d'une seule nuit avec elle, donc il est tombé sous son charme. Dans les jours qui suivent, Elena ne peut s'empêcher de penser au jeune homme, et lorsqu'elle emmène à bouleverser ses habitudes, elle sait l'importance de leur rencontre pour être celui qui la réconcilie avec son passé. Eléa reviendra-t-elle sur sa promesse, et si Méga de ses blessures pourrait aimer à nouveau. Un roman, mais pas que. Un roman, mais pas que. J'aime beaucoup cette couverture. Pour une fois, ils sont pas nus, ils sont habillés. J'aime beaucoup cette couverture. Du coup, je veux le souligner et c'est auto-audité, du coup c'est encore mieux. Voilà. Alors, il y a l'air d'avoir des longs bazars en dessous. Voilà pour les deux réceptions d'hier soir. Normalement, aujourd'hui, il y a le tome 1, enfin tome 2 et tome 3 de Adopted Love qui vont arriver de cette illustration, une saga illustrée, celle-ci, qui a l'autre, mais pas illustrée. Du coup, maintenant, je vais vous parler de ma couverture. De ma couverture. De mon livre en cours. Je vous dis, ça va pas. Il faut vraiment que je dorme. Pas beaucoup dormi. J'ai cette voix qui est en train de se barrer. Ça m'énerve. Du coup, je vais vous parler de Adoptive Love, le tome 1 de. Je veux pas vous parler trop. Je sens que ma voix se casse. Je suis à 402 pages. J'ai lu toute cette partie-là. Il me reste cette partie-là que je voudrais bien terminer.
J'aime beaucoup l'histoire de ces personnages. C'est pas loin d'un coup de cœur. Est-ce qu'il va me rester en tête? Ça, je sais pas. Je vais voir quand je serai fini. Mais j'aime beaucoup nos personnages. On va suivre Ethan, je sais pas comment ça prononce. Moi, je le lis dans ma tête, mais voilà. Notre personnage, juste là, qui va rentrer dans une famille d'accueil, et la famille d'accueil ont des autres enfants. Et si je comprends bien, cette famille prenait que des filles avant, pas de garçons. Comme par hasard, aujourd'hui, ils ont pris un garçon de 17 ans, parce qu'il a 17 ans. Voilà, mais c'était un garçon avec beaucoup de vécu. Il a passé sur plein de choses. Il a été dans famille en famille. Il restait pas plus que 3 jours dans des familles. Ici, il est plus longtemps dans cette famille-là. J'aime beaucoup l'aspect de son comportement envers la fille qui a plus ou moins le même âge. Je perds ma voix, c'est horrible. Et il doit rester un an dans cette famille pour avoir 18 ans, pour après il fera ce qu'il veut. Et éviter, c'est sa dernière chance pour aller en prison. Et j'aime beaucoup l'aspect de ce personnage, aspect qui est dur à l'extérieur et tendre à l'intérieur. C'était un garçon qui ne parle pas, qui n'aime pas être touché, mais on voit qu'il a des sentiments pour cette jeune fille. Je vous en dis pas trop plus non plus parce que si vous ne l'avez pas encore lu, il faut le lire. Ça faisait longtemps que j'avais dans ma page, plus de quand je l'ai. Je l'avais eu dans la box du petit colis. Ça fait un moment que je ne l'ai plus. Ça fait un an que je crois que je ne l'ai plus, la box. Non, parce que je crois que c'était en décembre, c'était la dernière. Pas cette année, l'année passée. Du coup, ça fait passer un an. J'allais dire, même la famille qui l'accueille sont un peu spéciales parce que moi il y aurait des choses qui seraient pas passées dessus. Voilà, il y a des fois il part sans prévenir, et la famille passe un petit peu sur beaucoup de choses. Je pense aussi c'est parce qu'ils ont pas le ils connaissent un peu le vécu du garçon, et c'est bien sans être bien parce que c'est pas une bonne idée pour lui. Mais je comprends pourquoi ils font ça aussi. Il a 17 ans. C'est pas maintenant qu'ils vont savoir changer tout ce garçon. Il est un peu tard pour changer les choses. Mais lui donner des bonnes manières, ça oui. Voilà. Il mange beaucoup dans ce livre. Il mange beaucoup. C'est un bon mangeur. Moi, des fois, le père de famille me. Voilà. Le père de famille me. Il laisse passer beaucoup de choses. À part ça, j'aime beaucoup. Et j'aime bien parce que en autre temps, ils sont toujours en train de se chamailler. Mais il y a un petit lien qui se rapproche tout doucement. Mais sûrement, bah, là, je sais, il y a un petit lien qui se rapproche. Mais voilà. Et des choses qu'elle laisse pas passer. Et alors, le soir, elle est tout gentille avec lui. Et en journée, c'est une grosse chieuse. Elle l'insulte, elle le fait, tu fais quoi? Pourquoi tu me regardes? Mais quand elle a besoin de lui, il est là à tout le temps. C'est un bon garçon. Je sais pas quoi vous dire, mais je suis pas loin de vraiment d'apprécier. La preuve, moi qui lis très doucement d'habitude, je sais plus quand je l'ai commencé. Je crois que je regarde, mais. Il a bien bien fondu. Voilà. Et je vous ai dit, c'était pour le livre choisi par Mariette. Enfin, c'était un livre que je devais pas choisir moi, mais quelqu'un d'autre. Et c'est Mariette qui l'a choisi dans ma palle. Je ne le regrette pas qu'elle l'a sorti. Parce que franchement, avoir un truc, une pépite comme ça dans sa palle, faut les sortir, bon sang! J'ai plein de livres que j'ai envie de sortir. Et que je suis sûre que j'ai plein de livres dans ma palle qui est des pépites et que je ne lis pas. Comme celui que je vais sortir bientôt. Autobiographie, il paraît que c'est une pépite.
Ça fait perpète que j'ai dans ma palle. Et il va sortir parce que je l'ai mis dans ma palle du challenge de Mariette. Et Nike, je sais pas. Il faudra que je regarde ses avis dessus. Voilà, mais celui-là, il me tentait. Enfin, il me tentait pas trop. Mais là, je suis pas déçue de l'avoir lu. Et j'ai commandé le tome 1 et 2. 1 et 2. 3 et 4. Je suis fatiguée. J'ai plus de voix. 2 et 3 qui vont arriver aujourd'hui. Avec. C'est quoi que j'ai commandé avec? Ah oui, non, c'est pas pour moi. C'est pas pour vous. Voilà. Du coup, on va voir. Je vais continuer ça. J'ai trop envie de lire. Je pense que là, je vais. Je sais pas quelle heure il est. Il est 10h. Je crois que je vais lire jusqu'à 11h. Il va être 10h. Je vais lire jusqu'à 11h. Et puis, je fais. Les petites choses que j'ai à faire. Faut que. Hier, j'ai pas le crédit. J'ai pas le temps. Et pas. Être bien. La cage de mon fufu. Et faire ma vaisselle. J'ai déjà sorti j'ai déjà sorti la viande pour ce soir. Du coup, voilà. Mais du coup, je vais continuer ça. Et. Si quelqu'un a déjà lu un de ces deux-là, dites-moi ce que vous en pensez. Et si lequel est bien, lequel que je dois sortir en premier de ma palle. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller bouquiner. Et moi, je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve plus tard. Bonjour, mes petites vaisselles. Je reviens dans ce vlog. On est le 11 janvier. J'ai une coiffure de ouf. J'ai reçu un colis. Je vous l'avais dit tantôt. Si j'arrive à l'ouvrir, on va ouvrir tout ça. Bon, il y en a un qui n'est pas pour moi, mais que je vous montrerai pas. Zoé, tu veux bien te bouger de mon livre? Bouge. J'étais occupée à lire en fait, c'est pour ça. Et mon chat est en train d'écrabouiller mon livre. Du coup, ce que est à moi, que je récupère, je me suis pris. Par contre, je ne sais pas. Le tome 2 d'Adopt Vlog et le tome 3. Voilà. Je suis occupée à lire le 1. Voilà. Oh, le 1 est plus gros que les autres. C'est déjà ça. Il faudra que je regarde les pages qu'il fait. Qu'ils font. Le tome 2, il fait quoi? 500. 569. Et l'autre, 537. J'ai vu une illustration. Je me fais spoiler. Je me fais spoiler. Oh, mais qu'ils sont trop mignons! Ils sont trop mignons. J'aime beaucoup parce que ceux-ci sont illustrés. Vous avez des petits dessins dedans. Je ne vais pas tout vous montrer. Mais voilà, du coup, je me suis pris les deux. Et ça, on voit rien, je pense. C'est pas pour moi. Du coup, voilà. Ah oui, c'est vraiment. Je ne sais même pas si je peux vous le montrer. Parce que j'ai vraiment pas envie de me faire ban. Du coup. Voilà. Hop. Et ça, c'est un carton de plus. Voilà, du coup, pour les deux que j'ai reçus aujourd'hui, et ce sera les deux derniers. J'ai envie d'aller chez Molière demain, je sais pas si j'ai le courage ou pas. Et voir mon état aussi, parce que voilà, je suis pas dans mon assiette. Aujourd'hui, voilà, et j'étais occupée à lire. J'ai pas lu beaucoup là, j'ai lu deux pages, je crois. J'étais à combien? 400. Ouais, je suis à 440, 41. J'étais à 433 tantôt. 3. 33. Je suis pas là dans mon truc. Je suis contente que je les ai eus avant ce soir. Voilà. Je suis très contente de voir le colis de. D'un ami, comme ça il va le récupérer et je serai tranquille. Et je crois que je fasse un message. Voilà.
Voilà, bah c'est tout. Je voulais juste vous montrer que je me suis procuré les deux tomes pour continuer la saga. Un peu triste que là. Oui, là il est abîmé. Celui-là, lui, ça a l'air d'aller. Voilà. Mais voilà. Et en plus, je suis trop impatiente de savoir ce qui va se passer dans la suite. J'aime beaucoup. Là, je vais continuer à lire. Et arrêter de regarder parce que je me fais spoiler. Mais regardez, mais qui sont beaux. Nos deux procas. Oh, mais qui sont beaux. J'ai l'impression que ça fait au bic en fait. C'est ça qui est chouette. Il faut que j'arrête de regarder. J'arrête de me faire spoiler. Mais en tout cas, pour le moment, j'aime beaucoup. Et je pense que c'est pas loin d'un coup de cœur. Je pense qu'il va avoir une bonne note. Je vais essayer d'avancer. Parce que ce soir, je vais pas lire beaucoup encore. Parce que ce soir, on va manger. Je vais essayer de vous, peut-être essayer de vous montrer si j'oublie pas. Je vais voir si j'oublie pas. Je vais essayer de demander à monsieur de me faire penser. Aller manger une poutine. Voilà. Et à 9h, j'aimerais regarder la série qui est sur les urgences sur TF1. Qui est, elle, le mercredi. Mais je ne sais plus le nom. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Et j'aime beaucoup. Audi, laisse ta soeur. Il tape sur sa soeur. Audi! Me fatigue. Vous voulez pas un chat qui tape toujours sur sa soeur? Moi, j'en ai marre. Il me fatigue. Et je perds ma voix à cause de lui, en fait. Voilà. Et bah, du coup, ce soir, c'est médoc pour estomac. Faire attention. Voilà. Et c'est. Je voulais et je retourne à ma lecture. J'aime bien ma petite couette sur le côté. Il faudrait que j'avance plus sur le côté. Mais la faire. Vous voyez ce que je veux dire? Mettre les cheveux plus par là. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vais retourner à ma lecture. À plus tard. Bonsoir, mes petites sœurs. J'espère que vous allez bien. Moi, très bien. Ne regardez pas ma tignasse. J'ai ma queue qui est redescendue, mais je vais la retirer. Je viens. Dans ce vlog, on est vendredi 13 janvier. On est un vendredi 13 aujourd'hui. Voilà. Du coup, je viens vous parler de la lecture terminée qui est Adopt Love. Voilà. J'ai terminé fin d'après-midi. J'ai adoré cette lecture, j'ai trop envie de me plonger dans le tome 2. Sauf que pour le moment, je ne peux pas parce que je suis toujours en défi avec Mariette. C'est le deuxième livre que je termine de 2023. Ça commence bien. En 15 jours, j'ai terminé deux livres. Si je pouvais en lire 5 ce mois-ci, ce serait bien. Voilà, et du coup, je vais pas longtemps, mais je vais recommencer une nouvelle lecture. Cette lecture était dans le. C'était lecture choisie par quelqu'un d'autre. Et c'est Mariette qui me l'avait choisi. Elle a bien fait de me le faire sortir de ma palle. Il était trop bien. Et le livre que je vais vous présenter, c'était un livre prêté par quelqu'un. Encore une fois, je lui ai apprêté par Mariette. Et c'est celui-là. J'espère bien aimer parce que j'ai un peu peur. Parce que ça sort un peu de ma zone de confort. Voilà, c'est un policier thriller. Du coup, j'ai un peu peur, mais on va essayer. Du coup, c'est Jalousie. Jalouse. Jalouse. De Bernard Philippon. Voilà, c'est un prix, le livre qui a eu un prix de lecteur sélectionné en 2021 chez le livre de poche. Voilà, j'aime pas la couverture. Voilà. Mais voilà, comme c'est un livre que je devais emprunter à quelqu'un, elle lit tout ce qui est policier et thriller. Mais du coup, voilà, on va s'y mettre, on verra bien ce que ça donne. Voilà, parce que après, je vais regarder la télé parce que j'ai déjà lu 80 des poches. Il faudra que je regarde pour plus. Celui-là et publier, mettre celui-là en même temps. Voilà, parce qu'à 9h, c'est un truc avec les pieds jaunes. Sur TF1, c'est le grand concours des animateurs, je pense. Si je dis pas de bêtises. Voilà, ma fille qui éternue. Elle est juste là.
Celle qui éternuait. Tu éternues? Et tu vois quelqu'un? Grosse mémé. Voilà, du coup, je vous laisse et je vais commencer cette lecture jusqu'à 9h et je sais pas quelle heure il est là. Il est 8h30. Une petite demi-heure de lecture et après je regarderai mon ma petite télé et demain je continuerai. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve plus tard dans ce vlog. Bisous bisous. Bonjour, je suis seule, je reviens dans ce vlog. On est le 17 janvier. Je vous ai pas repris depuis. Je sais même pas si je vous ai pris vendredi. Je ne sais plus. Enfin, soit je vous ai pas pris du week-end. Enfin, peut-être samedi, j'ai un doute. Dimanche, je sais que je vous ai pas pris. Mais j'ai un doute sur vendredi. Enfin, soit, c'est pas grave. Et je suis là pour vous reparler de ma lecture en cours. J'ai commencé Joueuse de Benoît Philippot, je crois que ça se dit comme ça. J'ai le livre de poche. C'est un livre, c'est dans mon défi avec Mademoiselle Mariette, qui était un livre à prêter. Voilà. J'ai du mal à rentrer dans cette lecture. Je lis, hein, parce qu'il faut le lire. Parce que nous, notre défi, c'est obligatoirement à lire tous les livres qui sont dedans. Même si on n'aime pas, il faut le lire jusqu'au bout. C'est ça le défi, des fois, de la lecture. Et du coup, ici, je suis vraiment pas fan-fan. Ici, on va parler de poker. On va parler de mafia. Un nouveau livre. Il y a plein de trucs. Et des fois, je me dis, mais où on va là-dedans? Je suis un peu perdue. Je suis à 166 pages et je voudrais bien arriver à 209 aujourd'hui en fait. Voilà, en fait j'essaie de faire mes pages par jour pour le terminer vite. Et comme ça avance plus vite. Je suis même pas bien mise, mais c'est pas grave. En fait, vous êtes plus bas que d'habitude, c'est pour ça. En même temps, je suis en train de vous préparer des vidéos pour la semaine. Demain, il y en a une pour vous qui est en progrès. Elle est déjà mise et ce sera, je ne sais plus. Ah oui, des Disney princesses à ouvrir. Et du coup, je disais que pour le moment, je suis mitigée dans cette lecture. Des fois, je suis bien dedans, des fois, je suis. Mais je n'ai pas compris là, il s'est passé quoi là sur le peu. Voilà, elle l'a lu, elle a bien aimé, c'est pour ça qu'elle me l'a prêté. Et comme moi je suis pas fan de tout ce qui est horreur et tout ça, du coup c'est un policier thriller quand même. Je vois pas le thriller, je vois plus le policier mais pas le thriller dans ce livre. Mais voilà, on va parler d'as et tout ça, de jeu, d'argent. Voilà, je vais pas trop vous en dire. Voilà. Et si je comprends bien, la Maxime, c'est une femme. Je n'ai pas tout suivi dans ce truc. Il y a des pièges, il y a des. Et on suit plusieurs personnes. On suit Maxime, Zen, Zach. Il y en a encore un. Il y en a encore un. Et je sais qu'il y en a encore un. Ils sont trois ou quatre. Pas. Je ne sais plus, enfin soit on suit, c'est déjà ça. C'est vrai que je suis un peu perdue dans cette lecture, mais j'aimerais bien le finir. Je suis là, j'ai déjà lu ça, il me reste ça à lire. Si j'aimerais bien lire ça aujourd'hui et demain lire 50 pages, essayer de le terminer au moins vendredi ou samedi. Voilà, parce que je voudrais bien changer de lecture, parce que j'en ai marre. Voilà. Du coup, ben, je vais continuer ça parce que j'ai rien d'autre à vous dire là. Pas trop à côté. Hier, j'ai rien fait. Dimanche, on a eu nos amis qui sont venus à la maison. On a été couchés tard. Ils sont partis à minuit. Du coup, voilà. Puis j'ai tout rangé un petit peu quand même. Ce que j'avais fait à manger. On avait fait un. Enfin, monsieur avait fait un cocktail et moi j'avais fait à manger. Du coup, voilà. Et du coup, on a un peu rangé.
Le petit bordel. On a échangé nos cadeaux de fête. Et ben voilà, quand ils sont partis, j'ai rangé un petit peu. Et le lendemain, j'ai fait la vaisselle. Voilà, du coup, voilà. C'est tout. Hier, ben, j'ai fait que lire. J'ai fait ma petite vaisselle. J'ai pas fait grand-chose hier. J'étais vraiment pas. J'avais pas le moral en fait. J'ai vraiment pas dans le mood pour le moment. Pour vous dire, j'ai envie. Ma tête a envie d'aller me promener en ville. Sauf que mon corps me dit non, on reste à la maison. Du coup, je fais pas grand-chose. Aujourd'hui, j'ai un peu plus bougé. J'ai fait enfin, j'ai fait du ménage. Heureusement que vendredi après-midi et samedi matin, enfin samedi, j'ai fait pas mal de choses à la maison. Parce que voilà, faut que je nettoie. Là, j'ai toujours pas nettoyé. Je pense faire ça demain ou jeudi au grand max. Parce que voilà, il faut que je nettoie quand même. Et voilà, ici, ben, j'ai fait ma vaisselle. J'attends monsieur parce qu'il faut que je fasse la litière. J'ai fait le montage de deux vidéos tantôt au matin. J'ai lu un petit peu. En faisant au matin, elle a fait 3 fois une demi-heure sur Discord. Je sais plus son nom, mais enfin, soit, du coup, j'ai fait 1h30 de lecture, je pense. Ouais, 60. Ouais, 2 x 30. 3 x 3. 30 minutes, voilà. Plus ou moins, quoi. Voilà, j'ai lu un petit peu. La première session, non. Les premières 30 minutes, j'ai fait. J'ai regardé mes mails. Parce que j'en avais besoin. Et voilà. J'ai encore plein de choses à faire, mais il faudrait que je range mes papiers dans ma farte encore. Ça, je le ferai peut-être tantôt. Ça va vite sur le lit. Je prendrai mon dernier truc et le remettre dans la farte. Voilà, et là, ben, en train de ploder une vidéo qui sera certainement pour vendredi 23 livres pour 2023. Je pense que je vais la mettre vendredi. Ce vlog aussi que je vais terminer au moins vendredi. Comme ça, vendredi, quand je rentre de chez ma tante, je vous parle de ma lecture en cours. Je conclure ce vlog et je le monte dans la foulée. J'espère que ça va aller parce que c'est vrai que voilà. Et ça, je vous montre dans la foulée et je vous le mets pour samedi matin. Samedi matin, je ne suis pas là. Et puis, je ne sais pas si on fait ou pas. Il y a une convention, mais je sais pas. Monsieur m'a toujours pas dit si on va ou s'il va pas. Voilà, parce qu'il y a des petites contraintes dans ce. Je sais plus le nom. C'est Japan Show, je crois que c'est ça, mais je suis pas sûre. Enfin, je vous tiendrai au courant pour ça. Du coup, je ne sais pas si on va ou on va pas. On verra bien. On verra. Parce qu'alors, on irait dimanche. Peut-être samedi après-midi. Mais ça va faire temps de revenir. Je sais pas. Faut voir avec monsieur. Oh, fatigué. Je suis fatigué. Voilà. Du coup, je vous laisse. Et je vais aller continuer ma lecture jusque 3 h. 4 h. Allez, on va se mettre jusque 4 h. Monsieur rentre après et il faudra que je fasse les litières de mon petit chat, enfin de mes petits chats, parce que j'en ai deux et j'ai deux litières et j'ai plus de litières, enfin il me reste un paquet de litières et j'ai pas assez. Oh, et du coup, préparer les poubelles aussi parce que demain c'est mercredi, c'est journée des poubelles. Du coup, faut que je mette, je viens de casser mon oncle, il faut que je mette les poubelles, voilà. Voilà. Et ici, je suis en train de regarder, étant de laisser mon install, enfin, programmé sur YouTube. Je suis à 59%. Voilà. J'espère que ce sera finalement que monsieur rentre parce que quand il va mettre le PC en route, je perds de l'internet. C'est ça avec lui, c'est plus embêtant, c'est quand on est deux. Et mon internet n'est pas puissant, alors voilà. Sur ce, je vous dis à plus tard parce que je n'ai rien d'autre à vous dire, je fais que du blabla là. C'est fatigant, mais voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Je suis pas
Bonjour mes petits, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je reviens dans son vlog. On est le 18, on est mercredi. Mercredi 18 janvier. Et j'étais faire un tour en ville. Et du coup je me suis dit pourquoi pas vous montrer ce que j'ai pris. Parce que j'ai pris un gros bazar. Déjà je vais vous montrer la première chose. Parce que tout est dedans. C'est un sac de transport, voilà. Il est trop beau, il est comme ça, vous avez la sangle, il est comme ça au dos, voilà, et du coup on a tout mis dedans pour avoir, pour utiliser moins de papier, quoi. Même si j'ai dû retourner deux fois, du coup j'ai quand même du papier, parce que là, ceci n'est pas pour moi, comme vous pouvez voir c'est à Primark, j'ai pris des chaussures pour mon ami. Du coup, elle se présente comme ça. C'est des Converse avec Mickey, Minnie, Donald plutôt. Voilà, c'est les 100 ans de Disney. Hop, voilà. Et bah, elles sont très belles. J'ai l'impression qu'elles sont. Voilà. Elle fait grande, il me semble. Très grand. Voilà. Après là-dedans, je fais quand même ça. Je les remets dans le sac parce que ça, c'est son sac. Quand elle viendra, ce sera pour elle. Du coup, moi, je me suis pris des petites chaussettes Tic et Tac à 4 euros chez Primark. Du coup, vous avez ceci avec, ils font un câlin. Vous avez, où il y en a plein. Et alors, attends, choupette. Celle avec ses gros joues. Voilà, j'ai mon chien qui veut faire câlin parce que je viens de rentrer, voilà. Du coup après je me suis pris ceux avec Stitch. Vous avez ce modèle-ci, la noire et blanc, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Je n'ai même pas lu. Louis Stitch. Et les autres c'est Angel. Voilà, remontée en chaussettes. Après, je me suis pris une paire de baskets. J'ai trop envie de comme ceci, elles sont roses mais un beau rose, là vous voyez pas trop le rose, voilà, elles sont trop belles, ça va cartonner avec mes petites affaires. Après, ah non c'est pas les mêmes, je me suis pris encore une paire de chaussettes. Bon, assis toi s'il te plaît, comme ceci avec Stitch et plein de trucs dessus. Là c'est un peu Angel et Stitch. Et l'autre côté, c'est Stitch. Voilà. J'ai la télécommande dans mon dos, c'est pas grave. Après, je me suis pris un pyjama en doudou. Choupette, t'es chiant, tu vas tomber. Vous voulez pas un chien? Comme ceci, avec Stitch et Angel. J'essaie de... Hop. Il a l'air trop beau. Hop. Voilà, tout, avec des manches. Le pantalon, c'est le même. Voilà. T'as fini? Après, je me suis pris un petit portefeuille Stitch. Il se présente comme ceci. Et lui est à 7 euros. Hop, vous l'ouvrez. Et en fait, c'est juste un porte-monnaie. Voilà. Je me suis dit, pourquoi pas? Il a l'air pas mal. Après, comme je ne sais pas si elle regarde les vlogs, j'ai pris deux petits cadeaux pour le calendrier de l'Avent pour cette année. Mais du coup, je ne vais pas vous montrer. J'ai eu ça aussi. En fait, ils avaient attaché mon sac. Je me suis pris... Woody, t'as fini un sac cadeau Stitch. Voilà, il est trop beau. Je pense le prendre quand j'irai à Paris d'Aïda pour m'en mettre des choses dedans. Voilà. Il est simple et très bon. On n'a pas mis deuxième. Non, si. Celui-là non plus, je vous montre pas. C'est fait une case du calendrier de l'avant. Et le sac que je voulais absolument. Voilà, il est trop beau. Hop. Et si je vois bien, normalement, il y a une lanière dedans. Ça, je ne savais pas. Ouais.
Il y a des poches aussi. Il est noir et des poches. Il va avec la collection du sac en fait. Et dedans, c'est tout. Et du coup, je peux vous montrer un peu mieux. Il est très grand. Il a une bonne capacité. Voilà. Remonté en plein de sacs. Et après, j'avais un bon de 12,90€, je pense, chez Molière. Du coup, je suis passée chez Molière et je me suis pris deux livres de chez... j'ai plein de trucs qui se met. D'accord, ok. De Colleen Hoover. Du coup, je me suis pris celui-ci. Je sais pas vous prononcer le mot, mais voilà. Je l'ai vu. C'est un roman psychologique. Ça me fait un peu peur, mais voilà. Et puis celui que je voulais, que j'attendais qu'il soit en poche, c'est Cœur et âme de Colleen Hoover chez Poche, Hugo Poche. Et lui aussi me fait un peu peur. Voilà, c'est aussi un roman psychologique. Enfin, je crois qu'elle, elle fait que des psychologiques. Voilà pour les deux petits romans que je me suis pris. Voilà, il n'y a pas grand chose. Et en même temps, je me suis chopé des marque-pages. J'en ai pris un comme ceci. Enfin, un. J'en ai 3-4. J'ai 3-4 marque-pages comme ceci. Et 3-4 marque-pages comme ceci. C'est avec le livre derrière. Voilà. Comme ça, je suis reparée en marque-page. J'en donnerai peut-être à Mariette. Voilà. Voilà. Et j'ai envie de faire une case. Si tu regardes, une case avec des marque-pages. Quand même, hein, on va faire un peu de truc livresse. Voilà. Mais j'ai pris deux choses que je. Je suis pas sûre que je peux vous le montrer ici. Du coup, ben, tant pis. Vous les verrez pas. Mais par contre, celui-là, j'aurais bien voulu vous montrer. Est-ce que je vous le montre? Est-ce qu'elle va le regarder? Est-ce qu'elle va s'en souvenir au mois d'octobre, au mois de décembre? Bon, allez, tant pis, je vous les montre. J'ai me suis pris, je lui ai pris un porte-clés avec en canto. Je l'ai pas encore regardé, c'est pour ça. Et Harry Potter, les trois favoris. Voilà, ce sera comme ça dans un calendrier, enfin un jour de calendrier de l'avant. Voilà, comme ça j'ai déjà ça. Voilà, sur ce, je dois parler de ma lecture que j'ai vue, que j'ai emmouflée aussi, tant qu'on y est. Je suis dans toujours dans Joueuse. J'avance doucement mais sûrement. Je suis à la page 202. Voilà, je vais arriver à la page 8, mais comme j'étais arrivée au début d'un chapitre, j'ai arrêté là. Et je vais continuer ça après. Mais voilà, je vais aller faire la litière de mon chat, parce que hier, j'avais pas la litière. Et je pensais le faire quand monsieur est rentré, mais voilà. Et préparer les affaires de monsieur, parce que ce soir, je vais au gynécologue, j'allais dire. Au vétérinaire pour mon furet. Voilà, du coup, c'est pour 4h30, monsieur rentre à 4h, du coup, on va préparer ses vêtements pour la douche, ça va être fait, ranger tout ça. Et voilà, sur ce, moi, je vous laisse et je vous fais des gros bisous et on se retrouve plus tard, parce que normalement, il y a un colis qui va arriver. Ou alors, je fais une vidéo spéciale colis, je sais pas, on verra. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard. On est toujours le 18 janvier et j'étais occupée à manger et j'ai reçu un truc. Du coup, je l'ouvre directement avec vous. Voilà. Quand je vous ai laissé, j'ai dit que j'allais faire mes litières. C'est fait. Voilà. Et là, j'ai dit, je vais vite manger, comme j'avais fait mes litières. Et j'étais occupée à manger quand ça a sonné. Du coup, je vous remonte le livre. Voilà. Il paraît que c'est un ancien livre qui a été réédité. Du coup, je me suis pris... Parce que je l'ai entendu sur Instagram et elle m'a dit, enfin, elle disait que elle avait trop envie de le lire et qu'il avait plu, il avait disparu. Et là, il est revenu. Du coup, c'est de Penelope Douglas, Hatcherlove, je ne sais pas comment ça se prononce. Voilà, chez HarperCollins, si je dis jamais de bêtises. HarperCollins, ouais, voilà, c'est HarperCollins. Voilà, il était une. Il est certaines fois un peu autre jour. Oh, excusez-moi, mais. J'arrive pas à me remettre. Il était
fait l'un pour l'autre, jusqu'à un jour où ils sont rencontrés. Depuis plus de 7 ans, Misha et Raza échangent des lettres dans lesquelles ils racontent leur ce livre, ce soutien et un seule règle, ne jamais chercher à se rencontrer. Une interdit qui a convenu à Misha. Pendant toute cette année, il n'y a pas besoin de connaître le visage de Ryan pour qu'elle soit sa muse, son inspiration, celle pour qu'il écrit les chansons et quelque part son âme sœur. Mais un soir, il croise une jeune femme dont le goût extraordinaire se rapproche à peu près les gens que Ryan lui a écrit dans cette lettre pour que ce soit qu'on soit dans. Et alors, face à cette jeune femme d'une beauté solaire renversante, Misha n'a aucun doute. Il sait que c'est elle. Maintenant, impossible de résister. Il doit quitter à ne jamais révéler à Ryan qui il est vraiment. Et quitter et découvrir que Ryan, bien difficile à l'idée qu'il soit imaginé. Voilà, ça a l'air pas mal. Il donne très envie. Voilà pour ça. Du coup, je vous laisse et je vais continuer à manger. Je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous. Bonjour, monsieur Lucia. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je reviens dans ce vlog. On est jeudi 19, si je dis pas de bêtises. Et je reviens dans ce vlog pour vous parler de la lecture terminée. Je suis très contente. J'ai terminé ce matin. Douloureux, très douloureux, joueuse. J'ai le livre de poche de Benoît Philippon. Bon, je sais pas comment ça se dit. Ici, on va suivre plusieurs personnages. Je crois que c'est ça qui m'a un peu. Que j'ai un peu plus de mal parce que je n'ai pas l'habitude de suivre plusieurs personnages. Ici, on a suivi Zach, Maxime, Zen, plein d'autres encore. Et je crois que j'ai un peu du mal. Ici, on parle de poker. Attendez que je me souviens. Je l'ai fini ce matin, j'ai déjà plus d'idées. En fait, c'est pas un livre qui va me rester en tête. Mais c'était. J'étais contente de tester un autre genre. Je sais que ce genre-là, c'est un policier thriller. Mais c'est pas. Je ne retournerai pas dans ce domaine. Et du coup, je vais refaire une autre lecture. Là aussi, j'espère. Je sais que cette autrice, je l'ai déjà lue et j'aime beaucoup. Du coup, voilà, il n'y a pas de souci. Je vais Natacha Piroge Love Box. Je ne sais pas comment ça se prononce. Love. Voilà. Je ne sais pas plus. Je sais que l'autrice l'a déjà lue. Voilà. Et j'ai le marque-page en plus. Et il est dédicacé. Du coup, je vais commencer ça, sauf que j'ai un peu peur pour l'écriture. Voilà, c'est écrit tout petit. Voilà, et il fait 250. Je vais essayer de le terminer très vite. Voilà, je vais commencer ça là maintenant, mais monsieur va plus traîner à arriver. Du coup, je sais pas si je vais savoir bien l'avancer. Mon chat déjà en train de l'attendre. Du coup, je m'en mets s'il n'est pas dans le coin déjà. Voilà, je n'avais pas grand chose à vous dire. J'aimerais conclure ce vlog demain. Au début, je pensais le faire aujourd'hui. Je sais pas, je vais peut-être conclure aujourd'hui parce que j'ai peut-être pas envie de commencer cette lecture dans ce vlog. Est-ce que je le termine ou je le termine pas? Écoutez, si vous me revoyez ce soir, ben, je viendrai conclure le vlog. Si je reviens pas, je le conclurai demain. Et voilà. Mais j'ai peur, c'est vraiment écrit tout petit. Voilà, sur ce, moi je vous dis à plus tard. Et j'ai une tête affreuse avec mon pompon là, je dois laver mes cheveux. Voilà, je vais faire ceux de monsieur après.
Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Bonjour, mes utilisateurs, j'espère que vous allez bien. Moi, très bien. J'ai même pas regardé quand on était. Je sais pas quand on est. On est le vendredi, ça oui. Je sais pas du tout. On est combien? Je suis combien? Attendez, je reviens. On est le vendredi 20 janvier. Voilà, du coup, je vais vous parler de trois petites choses. Enfin, du coup, du colis que j'ai reçu hier, que j'ai pas ouvert. Je vous ai attendu pour une fois. Voilà, il est tôt, hein, je vous le dis. Il est très tôt. Il n'est pas encore 7h. Il est 6h35. C'est très tôt. Pour moi, aujourd'hui, je suis... Il est trop beau. Ouais. Je vous laisse lire le titre. Et la chambre rouge. Mi... Bol. Celui-là, je sais pas. Voilà, du coup, on va lire un petit peu. J'ai déjà vu des bons avis, du coup, on va voir. Si Roxane accepte cet emploi dans le Super Follow Bar. Super Bar. À Champagne, c'est parce qu'elle cherche le Scott. Qui fera décoller sa carrière journaliste derrière les portes de millésime. Les secrets sont enfouis, elle en est sûre. Et pourtant, on contacte de cet homme qui la convoitant, son propriétaire désire s'élever, en particulier après que Match Carbisquette, le propriétaire de Millési, qui mène comme personne l'art de souffle, le souffle chaud et froid. Armes, drogue, prostitution, Roxane compte bien mener son enquête et relever un grand jour les manigances. Je ne suis pas encore dans mon assiette. De son arrangement, patron, mais a la peur de ses découvertes sur la vérité nature de l'établissement. Mathieu lui semble chaque jour plus dangereux et suicide. Roxane sera-t-elle j'ai encore mes lèvres, encore tout 7%, je viens de boire mon cacao. Roxane saura-t-elle prêter à cette perte ou à son ou à, au nom de la vérité? C'est un roman suspense. Voilà. Il va être, pense qu'il va être bien. Voilà. Voilà pour ça. Et du coup, je suis occupée à lire celle-ci. De Natacha Pironge. Voilà, c'est un auto-édité. Du coup, voilà, j'ai pas lu beaucoup hier. Voilà, j'ai lu 22 pages. Je voudrais bien continuer aujourd'hui. Mais ça a l'air bien. Maintenant, je suis qu'au début, du coup. Au chapitre 3. Voilà, je vais continuer ça. Voilà pour ça. Je n'ai rien d'autre à vous montrer aujourd'hui. Ça va être la course. Excusez-moi, mais vous voyez, je perds ma voix. Ça va être la course, du coup je vais conclure ce vlog aujourd'hui, là maintenant à 6h 6h36, voilà, vendredi, parce qu'aujourd'hui je vais aller chez donner un coup de main à ma tantine, je vais à la pédicure et il faut, entre les deux il faut que j'aille voir parce que j'ai enfin on m'a offert des sommiers pour mon lit, sauf que ces deux séparés, j'ai pris un et celui de mon côté, la lettre au-dessus de ma tête, elle est cassée. Et je l'ai acheté au mois d'octobre. Du coup, on va devoir aller voir lui ou moi. Je sais pas encore, on verra. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si on peut faire un échange. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? J'en sais rien. On verra ça tout à l'heure. Du coup, ça va être un petit peu le shampoing aujourd'hui. Et entre-temps, il faut savoir manger aussi.
Voilà, sur ce, moi je vous laisse et j'espère que ce vlog vous plaira. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, un petit commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, ça me fait très plaisir de mettre la petite cloche, comme ça vous avez en temps et en heure les vidéos qui sortent. Et croisons les doigts que j'arrive à mettre cette vidéo pour samedi. Mais j'ai un doute, mais très un doute. J'aurais dû conclure hier soir et la montée dans la foulée hier soir. Mais c'est pas grave. On va s'en sortir, je vais essayer de rentrer pas trop tard de chez ma tantine ou savoir vous monter cette vidéo. Et sur ce, moi je vous dis à demain ou à la semaine prochaine quand vous verrez ce vlog. Moi je vous fais des gros bisous et on se retrouvera pour la semaine suivante pour un nouveau vlog. Je vous fais des gros bisous.